On est dans un resto qui, le Brésil, c'est une des inventions les plus géniales que le Brésil a eues et c'est incroyable. J'adore ce concept. Donc on arrive, on prend une assiette, on se sert et on paye en fonction du poids de ce que c'est dans l'assiette. On continue notre série de vocabulaire et de coutumes brésiliennes et on va faire un petit tour pour voir comment ça marche. Donc tu arrives ici, tu vas prendre ton assiette juste à côté. Tu viens ensuite, tu te sers dans ces jolis buffets. À nouveau, pour les végétariens, c'est très bien parce qu'on a plein d'options. Une fois que tu t'es servi, tu passes à la balance, on voit combien ça a pesé et tu payes en fonction du kilo. Donc en général, on va toujours avoir beaucoup de choses fraîches en mode salade. Comme vous voyez, on va aller... Ah, ça c'est typique brésilien, c'est chouchou. Je ne pense pas que ça existe en France. Ça n'a pas trop de goût, mais c'est un végétal drôle comme nom, chouchou. Ici, nous avons toujours les riz et l'haricot qui vont être dans toutes les assiettes brésiliennes. On va toujours manger du riz avec de l'haricot, avec de la salade. Et bien sûr, derrière, on va ajouter une viande. Donc aujourd'hui, nous avons... lagarto, no molho de madeira. Nous avons aussi du poisson, donc là-bas. E aqui, o resto da salada. Bah, encore plus de salade qu'on peut faire. Moi, je vais aller faire mon assiette parce que j'ai faim et je vais continuer les autres vidéos avec vous après. Então, isso aí foi um vídeo muito rápido. C'était juste pour connaître un peu plus sur ces genres de resto. C'est très pratique, c'est pas cher, donc ça, c'est aussi bien. E isso aí, chegamos ao fim, nós estamos arrivés à la fin. Então, beijinho para vocês, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tu as bien aimé cette leçon? Alors laisse-moi un j'aime ou un commentaire pour que je le sache. Et pour continuer ton apprentissage avec un chemin tracé et d'autres leçons comme celle-ci avec leur matériel de support et de pratique, rendez-vous sur cafezinhobrasileiro.com. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet portugais-brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement. Et pour les intermédiaires, des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'informations sur cafezinhobrasileiro.com ou dans la description de cette vidéo.